Yo. Yo. Tu dors? Ah, non, je croyais que tu dormais. Comment tu vas? Ça va. Elle a un peu crevé, je dirais. Ouais, mais ça peut pas finir 5 minutes, coach. On peut avoir le double au championnat. Faut que je finisse devant Claudin et normalement on peut avoir le double. Vas-y, je vais aller. Bon, ça va être chaud. Vas-y, je vais au briefing comme ça, je peux rouler un peu. Ah, j'y vais également. Salut! Salut. Allez. Salut tout le monde. Salut. Romuald, tu vas pas trop vite, hein. Hein? Il fait la demande. Pascal. Ah. C'est monsieur Claudin qu'il faut pas qu'il aille trop vite. Oh non, il tient un peu championnat là, il a gagné. Bonsoir. Allez, salut. Bonsoir. Salut. Salut.
bonsoir. Bonsoir à tous les amis. Salut à tous. Salut. Oh merde, y'a les RVR. Super, bah, bonjour. Attends, ils jouent pas toi, hein, normal qu'ils soient là. T'inquiète, je vais les envoyer au tapis pour toi, Franck. Faut pas le dire. Non, mais j'imagine que tu les tapis, toi, t'es. Faut pas le dire. Pas le dire. Et pour l'instant, ils sont que 3, on a encore une chance. Voilà, tout à fait. Et bonsoir tout le monde. Salut Mathias. Salut. Salut. Bon bah écoutez, je vais commencer gentiment le petit briefing. Donc bah, j'espère que vous allez tous très très bien. Donc on se retrouve ce soir pour la finale du Champami, donc sur les terres italiennes, sur le circuit d'Imola. Donc j'espère que vous êtes bien entraînés pour cette finale. En tout cas voilà, on repart sur un pit obligatoire avec refus et puis changement de pneus. Donc tout comme d'habitude, on prend les mêmes et on recommence. Donc bah voilà, je vais faire un rapide tour des règles de piste parce que je pense que vous les connaissez maintenant par cœur. Et je vais les relire vite fait. Donc pas de chat en course. Interdiction de dépasser la ligne blanche en sortie des stands. Interdiction de dégommer le panneau d'entrée des stands. Le drapeau bleu doit faciliter le passage soit en relâchant ligne droite, soit en laissant l'intérieur en virage. De même, si vous êtes le plus rapide, ah voilà, soyez intelligent et n'allez pas au contact d'un drapeau bleu. Si vous ne pouvez pas passer de suite, attendez le prochain virage. Voilà, je le rappelle, c'est un championnat entre amis, on est tous là pour passer un bon moment. Même s'il y a un classement final, le but premier, comme vous l'avez compris, c'est qu'on passe dans la majorité des cas tous un très bon moment. Il y a malheureusement pas de voyage à Ibiza à gagner. Oh, merde. Sinon, je vous l'aurais offert avec grand plaisir, les amis. Donc voilà, si vous êtes à l'origine d'un crash, soit un frein tardif, soit un dive bomb, bah voilà, vous attendez votre adversaire sur le côté en vous mettant en sécurité pour montrer votre bienveillance. Je rappelle, le but, c'est pas de faire la police et de mettre des pénalités. Franchement, c'est relou. Le but, c'est vraiment de, bah, comme vous l'avez remarqué, de vous sensibiliser au maximum. Vous faites une erreur, vous vous rachetez auprès du collègue et ça permet, bah, voilà, du fair play, de la bienveillance. Alors, je sais qu'on ne peut pas faire à 100% à chaque fois, ça n'existe pas. Mais dans la majorité des cas, je vous assure que franchement, vous êtes énormément à jouer le jeu et je vous en remercie pour moi et pour vous. Parce que comme je le répète, hein, vous avez vraiment les clés en main pour passer des belles courses et vous êtes les maîtres de votre voiture durant 60 minutes. Donc c'est vraiment à vous de prouver que, bah, en piste, qu'on soit plus rapide ou moins rapide. Et le but, c'est vraiment de se respecter. Et pour l'instant, vraiment, je vous dis bravo parce que dans la majorité, voilà, pas à 100%. Mais dans la majorité des cas, vous êtes vraiment réglo, les gars, enfin les gars et les filles. Donc continuez comme ça, franchement, c'est vraiment cool. Désolé pour le retard. Il n'y a pas de souci, mon faux. T'inquiète, de toute façon, comme je l'ai dit à tous ceux qui sont dans le briefing, je relis, je fais un petit tour vite fait sur les règles de piste.
c'est les mêmes que depuis le début du championnat, donc t'inquiète pas. Donc en cas de crash, alors ça c'est super important, pareil, je le dis, c'est vraiment pour vous et pour les autres, veuillez maintenir vos freins pour arrêter votre voiture et ne pas créer un suraccident. Donc ça c'est vraiment super important, vous vous faites tamponner, vous prenez les freins, comme ça, ça permet de stabiliser la voiture plus rapidement possible et ça permet aux gens qui arrivent derrière de savoir s'ils plongent à droite, s'ils plongent à gauche. Ça évite de créer des crashs pour rien. Pour les retours en piste, là c'est pareil, soyez vraiment vigilant et quitte à perdre des places quand vous revenez en piste. Mais voilà, pensez aux copains qui arrivent derrière, qui eux ils sont pour rien dans votre sortie de piste. Je sais que des fois voilà, on se fait pousser, on est un petit peu énervé et on a envie de revenir le plus tôt possible en piste. Voilà, pensez aux copains qui arrivent derrière. Donc regardez dans votre rétro, mettez un coup en arrière et rentrez en toute sécurité en piste, c'est super important. Et voilà, donc si jamais, pour X raison, vous avez un problème de volant, de pédalier, voilà, je vous demande au maximum, s'il vous plaît, de rester sur le serveur. Alors voilà, je le répète à chaque fois, mais en fait, dès que vous quittez le serveur, peut-être que vous en rendez pas compte, mais ça crée des lags et des freezes pour les pilotes qui sont encore en course. Alors c'est des petits freezes, hein. C'est pas grand chose, mais le problème c'est que si le pilote il est en plein virage et que ça lui fait un freeze, eh ben il peut rater son frein, il peut aller percuter un autre pilote. Donc c'est vraiment un petit détail, mais ça a vraiment son importance. Donc voilà, je vous enverrai pas un message pour vous engueuler, hein. Mais si vous pouvez, essayez de rester sur le serveur jusqu'à la fin, les copains, au moins pour les pilotes qui sont encore en piste, pour que l'expérience soit au plus agréable. Et puis voilà, la petite règle d'or, si vous avez un différend avec un pilote, parce que je sais, il y a des règles, la plupart d'entre vous les respectent, mais on a chacun nos visions en course de voir certaines actions. Donc si vous avez un différend, voilà, vous réglez votre différend en privé sur vos Discord respectifs et vous essayez de trouver un terrain d'entente. On est tous des adultes majeurs et vaccinés, donc le but, je le répète, c'est qu'on passe tous un très bon moment, qu'on s'amuse pour du fun. Et si jamais on a un petit différend, on le règle entre nous en privé. Et puis et normalement, dans la majorité des cas, ça devrait bien se passer. Donc encore une fois, je vous remercie tous infiniment pour votre présence durant ce deuxième Champagne. Donc merci beaucoup les amis. Donc je vous souhaite vraiment une très belle course, c'est très serré au championnat, donc je pense qu'il peut y avoir des changements au niveau des positions, mais en tout cas voilà, moi ce que je garderai en tête, ce sera pas votre position finale, mais c'est vraiment la qualité et sur votre conduite tout au long de cette course. Donc je vous souhaite vraiment à tous une très très bonne finale, amusez-vous. Kiffez, battez-vous avec les pilotes qui sont du même niveau que vous. Et puis voilà, respectez-vous, soyez fair play, bienveillant. Et vous aurez vraiment normalement une très belle course qui va s'offrir à vous ce soir. Si jamais vous avez des questions, n'hésitez pas. Comme d'habitude, le serveur se relancera automatiquement à 20h. Le mot de passe, c'est le même. La météo, je sais qu'il y en a qui sont tristes. Mais voilà, au début j'ai hésité, hein. J'ai hésité à vous mettre de la pluie genre en milieu de course et je me suis dit allez, ils sont tous habitués au soleil, franchement il y a du soleil en ce moment en France, pour ceux qui habitent en France, je vais pas leur mettre de la pluie sur ACC, donc les conditions seront fixes et donc vous avez vraiment toutes les cartes en main pour vous amuser. Donc je vous souhaite vraiment à tous une très belle course, j'espère que vous allez kiffer et encore merci à tous pour votre participation, vous avez été géniaux et surtout ne changez rien, continuez comme ça les amis. Merci Alex. Écoutez, en tout cas si jamais vous avez des petites questions, donc n'hésitez pas, je resterai encore 2-3 minutes après 20h s'il y en a qui ont des problèmes de connexion et comme je vous ai dit, le serveur se relancera à 20h, les conditions à quelques degrés près, à 1 ou 2 degrés près, seront les mêmes que le serveur practice. Donc voilà, normalement c'est 20, 22 dans l'air et entre 30 et 32 en piste. Donc normalement,
qu'il y avait dans le serveur practice, ça vous a permis de faire les pressions, donc il y aura pas de galère sur ce point-là. Et en tout cas, bah voilà, passez tous un bon moment, les amis. Encore merci. Bonne course à tous. Je vous souhaite tous une très bonne course, très bonne finale. Et puis bah éclatez-vous, hein. Amusez-vous les copains. Et puis je vous dis à tout à l'heure. Je parle de vous. Le mot de passe parce que. Le mot de passe c'est le même Loïc, donc c'est AMP Race, donc tout en majuscule, tout attaché. C'est le même mot de passe que pour le serveur training vu que c'est une entrée liste. Okay. Donc. Allô. 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 Putain, mon casque il merde. Allô. Allô. Vous m'entendez? Oui. Oui. Salut. Salut Tim. C'est 8h10 les qualifs ou 20h direct? 20h10 quoi. 20h10, ouais. 20 minutes. Ah, les pits, ces pneus fuel, je crois. J'ai pas entendu ce qu'il a dit. J'ai essayé de faire des calculs cet après-midi, mais c'est impossible. Il faut que tu finisses 8 points devant Claudin. Oui, non, mais même si tu fais P1, même si lui fait P1 et toi P2, il lui faut les points de la pole et du meilleur tour pour te passer. Donc c'est peu probable, et étant donné que Claudin il a l'air plus lent que nous en plus. Ouais, faut se méfier de l'eau qui dort. Ouais, non, mais. Tu sais, moi je voulais avec le demi-plein. Donc, Bon, en fait, j'ai envie de te dire. Plus il y aura des mecs devant nous deux, nous trois, mieux ça sera quoi au final. Ouais, mon PC il arrive à monter à 80 degrés là à cause de cette chaleur de merde. Il monte jamais d'habitude. Ouais, mais on verra bien. De toute façon, il va relancer le serveur, non? Non, non. Bah, si, il doit le relancer. Il va, redémarrer le serveur. Il est obligé de le relancer, il a que les practices. Ah, oui. C'est un 20h, je crois qu'il relance. Si, bah. T'avais loupé la manche dernière, François? Non. Bah merde, t'avais pas coché le petit truc. C'est un spa la semaine dernière. Ouais, non c'est parce que ouais, j'étais pas ça. Identifié alors Pourquoi j'étais pas identifié? Ça lui c'est normal, il y a pas le petit.
En mieux, t'oublieras pas d'approuver le nouveau règlement. Si j'ai pas envie. Si t'as pas envie, t'es tu sors la team. Bah non, c'est moi qui ai les clés. Non mais il faut quand même tu valides quoi. Ah, si. Mec, il veut me foutre dehors de ma baraque. Non mais on va où là? On va où? On va où? Et Christophe, t'as eu ton entretien toi? Mon entretien individuel, oui, je l'ai eu. François, pareil? Non, j'ai pas eu. Je suis en vacances cette semaine. Ah ouais, c'est pour ça. Ouais, tu l'auras sûrement dans la semaine. Ouais, il faut que tous les entretiens soient finis pour septembre. Il aura fallu même en faire plus avant ce soir. Ouais, mais il y avait le Oui, c'est bien pour ça que je dis ça. Il y a aussi pas mal de monde absent. Hein. Ouais. Oui, il y avait 20 pilotes absents. Quand t'en as qui s'en foutent, forcément. Il y en a qui regardent pas les infos, enfin qui sont noyés d'infos, du coup ils regardent plus. Noyés d'infos. Oui, non, mais. Il n'est pas marqué comme lui, du coup, les notices s'empilent, et à un moment, il regarde même plus. J'avais vu une fois, c'était Dylan Navarro, bon, il a été jarté de la team, il avait plus de 300 notifs de la team. Ouais. Normal qu'il s'informait jamais, le mec. Mais je suis sûr que le pilote, ouais. C'est pareil. Je suis en stream. Ouais. Mais oui. Bon, les qualifs... C'est quoi, c'est un quart d'heure de qualif? Bah, une minute, je crois. Non, je crois. Ouais. Le micro, il est en train de rendre l'âme, j'ai l'impression, là, putain. Qu'est-ce qu'il a, ton micro? Bah, des fois, je me mute, je peux plus me démute. Ah, moi c'est les oreillettes du micro. Si je déconnecte mon casque, je le débranche et que je le rebranche, des fois j'ai une oreillette qui fonctionne plus. Je suis obligé de rebouger un peu l'alimentation pour que ça fonctionne. Faut quitter le serveur, les gars, si vous avez pas vu. Ouais, ouais. Ah, ouais, c'est bon, j'ai quitté le connexion. Connexion perdue. Je crois, Chris, t'es le seul à être dans le disque, dans le dessus d'avant, je crois. Ah bah c'est cool, non mais c'est... Non mais Romu tranquille, c'est moi, François, tranquille. Il dit rien. Laisse-le, il va gagner ça. J'y étais resté aussi pendant un petit moment. En train de régler les sons de mon casque parce que... Des fois c'est un peu la merde. Tout le monde est emmerdé avec son casque là. Non mais... En fait, c'est un casque que j'ai eu à Noël et du coup, je l'ai paramétré là il y a même pas 10 jours. Et je tâtonne un peu sur les volumes, sur les différents volumes, parce que je peux régler le Discord dedans avec le jeu et tout. Et du coup, pour pas que le jeu il gueule trop haut, mais que je l'entende, mais que j'entende aussi le Discord. Là, il a encore augmenté les températures. Combien? Bah, c'est 33 degrés. Arrêt obligatoire. Hein. Oui. Sens. Oh, il y a Seb Verne, il faisait le championnat, Seb Verne. Attends, c'est où qu'il s'est tué? Ah, c'est la semaine dernière, il s'est tué au Rédillon. Qui ça? Seb. J'étais aux premières loges. Bon, Rédillon, la Mustang, elle est à l'arrêt. Bah, je trouve que ça va, hein, parce qu'il s'est bien envolé. J'ai trouvé un circuit où là, que la Mustang elle est nulle à chier. Brandach. La voiture elle a zéro relance. Brandach. Je suis à 7 dixièmes plus lent que mon père. Ça tombe bien, il est jamais roulé.
pas à Brandach. Bah ouais, il est roulé C'est rare quand même. Il est roulé deux fois dans l'année peut-être. Il y a un open lundi à la VD dessus. À la Exype, il y a Imola demain. Ouais, c'est un autre open moi. Pour l'instant, ils sont 12, je crois. Ah, il a. Parce que j'y étais ce matin, c'était toujours pas. Toujours pas mis hein, l'open. Ouais, ça a été mis sur le Discord là. Ok. Je vais poster l'annonce là, est-ce qu'il a fait une affiche ouais. Hop. Hop, ça c'est fait. Ouais. Bon, on commence quand là? Pression. Bon allez, je suis prêt là. Pas switch les essais là. Bah alors allez, deux minutes, on va pas faire. Oula Seb. Mais combien ça? 26, ça va.
Pas de chance. Ah, il n'y a pas d'Audi. Il y a toujours une Audi qui se balade toute seule. Et là, il n'y en a pas. Souris François, tu passes à la télé. Ah bon? Ouais. Il y a des appels de phare, va. Ça va, ça se passe bien la cuvette avec ta Porsche? Ouais, ça va. Je sais plus comment on appelle ces deux vieux. Tanglisse. Tout en glisse. Dominé Rally. Ah. Toi, tu l'appelles la cuvette, mais ça s'appelle à quoi, Mini Rally? Ça glisse. C'est un tout en glisse. En drift. Voilà, grâce à moi. Allez, qui c'est qui traîne là? 972, c'est qui? Télétri, Loïc Télétri. C'est le Bern, il est combien lui? Il est premier. Non, mais au championnat? Loin, je pense. Ouais, il a que 8 points, donc on craint rien. Normalement, si je et marque 1 point, je fais top 5 maxi. Alex Martin, faut se méfier de lui, je sais pas où il est. Ah, je le vois pas, il est pas là. Ouais, si, si, il a des points. Oui, mais ah, je veux dire, il est pas là ce soir. Bon, bah c'est bon, au revoir. Le prochain c'est Mathias Pouchet, mais il est loin. Oh, ouais, je suis trop loin là au pit là, putain.
Un sacré chevreuil. Ça va et toi?
finale du championnat MP. Je fais tout pareil. Ah, tu roules peut-être pas beaucoup dessus aussi. J'avais les pressions trop hautes, je baisse. Là j'ai les pressions trop basses. Il a fait un beau chrono l'écureuil. Chevreuil, putain. Vas-y, t'es quand le mot. C'est non, c'est toi. Je traîne trop avec toi, c'est pour ça. Ah, tu m'as filé ta maladie.
merde, va. Casse les couilles. Ah, c'est baisé. Par hasard, les pneus, hein. Ils sont bouffés. Non. Bah Val, t'es champion pour l'instant. Pas pour le moment, non. Bah si. Oui, en l'état, mais c'était que la qualif. Qui c'est qui est derrière nous? Il y a Claudin et qui c'est après? Ah, je sais pas pourquoi, je sens que Sam Baird, il va me piquer la pole. Après c'est Alex Martin, il est pas là, après Truchet, après c'est les deux gars de la VD, donc ouais c'est bon, c'est juste Claudin. C'est juste Claudin, l'autre adversaire. Ouais. Mais il est un peu loin, là. Claudin, va. Ah, il a Fockett. Il va prendre la P2, la P1, la P3. Ah ouais? Pour l'instant. Ou la pole? Non, pas la pole. Tout à l'heure, il a fait une 40. Sa voiture a glissé, il avait 3 dixièmes à la chicane, sa voiture a glissé à la sortie de la chicane. Ouais, je pense qu'il va m'attaquer direct. S'il reste derrière moi, il va m'attaquer. Et en Aston, les départs de l'Aston sont pas dingues. Ouais, moi, Chevreuil, il va me passer au départ, hein, Chevreuil. Non, bah c'est bon, je garde la P3. Bon, j'ai un point supplémentaire, déjà ça. 7 points. J'ai plus que 7 points d'avance sur mon coéquipier. Non, 8. Non, on a 8 à la base. Là, tu fais la pole. Donc, ça fait 7. Ouais. On fait ce qu'on a dit, Chris, ou pas, alors finalement? T'as gagné la deuxième manche? Oui, qu'on fasse quoi? Je sais plus ce que j'ai fait. C'est à 43, attends. Ouais, je crois, je gagne à Spa, je sais plus. Ouais, tu gagnes à Spa. Si on est égalité et que je gagne et que toi tu finis P2, bah c'est moi qui vais être devant toi parce que j'ai plus de victoires. J'ai gagné à Valence. Oui, mais de toute façon, il n'y aura pas d'égalité. Si, ça sera égalité si moi je suis P1 et toi P2. Mais non, t'as la pole. Si, t'as la pole déjà. Oui, mais alors, et, ça fait 7 points entre la P1 et la P2 si je prends pas le mur. Non, il y a 8 points. Non, j'ai 8 points grâce à la pole. Mais c'est 7 en réalité la différence entre... Ben non, 25-18. Ouais, c'est 7. Ouais, c'est ce que je te dis. Ben c'est ce que je te dis, ça fera égalité. Non, tu dis 8. Et je dis 8 avec le point de la pole. Ouais, mais moi je te dis 7, tu me dis 8. Non, tu vas là, tu vas... Putain, mais Chris, là, t'as joué avec les mots. Ah non, t'as joué avec les mots, t'as dit 8 toi à la base. Ah non, non, non. François, il a 17, hein. Il a dit 8, hein. Oh, elle a rien dit. Merde, les barres. C'est 25-18, c'est ça? Je cherchais la bouteille d'eau qui est au frais, là. Ah, merde. 25-18-15. Ah oui, je suis à l'interne. Ça peut... Tu me balances une corde, là, mais donne-la-moi, là, parce que la dernière fois... Mais la corde, t'es gentil toi, la Porsche elle va quand même passer au départ. Non, non, mais je sais que la dernière fois je t'ai demandé une corde, tu me l'as jamais envoyée. Les pressions, je sais pas trop. C'était pas mal en pression.
Ah, les pressions, je sais pas qu'est-ce que je fais là. Ouais, c'était pas mal. Ouais, je vais baisser d'un clic. Je vais baisser d'un clic. Hop. Claudin, il faut qu'il reste absolument derrière nous. Ouais. Et absolument derrière moi, parce qu'il est qualité avec moi, lui. Et vu qu'il a pas gagné de victoire, du coup, il est derrière. Ce serait bien à doubler au championnat, quoi. Bah les gars, bonne course. Vous partez combien, François? François, t'as gardé ta P10? Non, j'ai fait 12. Je sais pas, j'ai amélioré, mais ça n'a pas pris en compte, c'est bizarre. 16. Les couilles. 20 seconds. Je sais pas pourquoi j'arrive pas. J'arrive rarement à refaire en qualif ce que je fais en training, quoi. Ouais, mais bon, moi tout à l'heure j'ai fait un. J'ai fait un 40.8, je l'ai pas fait. J'ai fait un 40.9. Moi j'ai fait 41.6, j'ai fait moi. Et j'ai fait 42.5. Ah ouais, putain, ah oui. Ah oui, il y a une grosse kiff là. Ouais, je sais pas, tu vois, je sais pas. Il faut un coaching psychologique, moi. J'ai pas pris le temps de faire le training, c'est que le Mustang soit immolé. Si, il a fait 250 tours cet après-midi. Ah, moi j'ai fait 344 tours. C'est Vern qui me fait des appels de phare déjà. Ouais, si. Il y aurait que aussi. Chevreuil, ils l'ont pas le rythme, même s'il va me passer au départ. Je dis ça parce que la mission va prendre des départs de merde. Et cette berne, il a un départ arrêté aussi pourri avec son stop. Alors on voit les 5e bien. Claudin 7e. Non, Laurent il est 6e. Moi je le vois. Ah oui si. Pourquoi je le voyais 5e? C'est la drogue que tu prends ça. Ça t'hallucine. C'est les champotes ça. En fait, t'as l'impression que c'est une Porsche derrière toi, mais c'est une Fifi. Hein. Pourquoi? Je suis vrai, il faut que je l'attaque direct. Tu le prends en chasse? Ouais. Non, faut que j'essaye de l'attaquer direct parce que je pense que. Sinon va aller, tu vas pouvoir t'enfuir tout de suite et des fois pour mieux tu fais gaffe que ce que je t'ai dit au mieux c'est que la Porsche de Chevreuil va passer au départ, mais faites gaffe parce que des fois Chevreuil il est un peu agressif. T'inquiète, ça fait mon affaire. Ouais, je l'envoie dans le top, voilà, ça sera réglé. Plaisant. T'as signé la charte? Ouais, j'ai lu et approuvé le règlement. Bien loin avant. Et je mets déjà du TC0 pour prendre le départ. Mais ça n'empêche pas de prendre des départs de merde. Je suis déjà à 27, mais les pressions sont trop hautes. Merci Red.
Oh, il me sert. T'as pas enculé, putain! Allez, passe-le! Viens! Ouais, trop agressif! Il est loin. Je crois qu'il a cartonné avec l'autre là. Thank you.
je suis obligé de défendre. Thank you.
bien, ça donne de l'air. Culé, hein. Putain. Ah, je glisse, putain, j'en ai marre. Salut Tatoff. Déjà.
arrive à plus vite que moi en ligne droite et je foire mon dernier virage à chaque fois. Moi c'est incompréhensible en fait. Pourquoi? Bah en course je viens de battre mon temps de qualif de 6 dixièmes. La voiture est plus stable. La Mustang elle est nerveuse David. Très nerveuse. C'est moi que ça énerve. Ça va Valentin à l'avance? T'es à l'aise? Ah ouais, bah ça va Joseph.
Ah putain. Incontrôlable la caisse. Il va me passer le pense. Oh le vieil arrêt de merde. Thank you.
Ah, t'as passé cette berme? Ouais. Yes. Oh là là, pff, ouais, merci. Ah, si je referme, il m'en va autant. Et voilà, Adrien, il me passe. Hop, Adrien, comme d'hab, il s'est planté. Il a emmené Seb. Oh, je suis tranquille. Oui, effectivement, t'as 7 secondes d'avance. Là, t'es pépère. Tu vas pouvoir finir P2, pépère. Moi, je vais faire attention, j'ai 3 cuts. Bataille avec Vero, Chris. Avec la ville de la VD. P12. Putain, mais qu'il est con, qu'il est con. Eh ouais, c'est sûr. Ah, ah, putain. Ah, vous êtes bons, les gars. Mal ses courses, Christophe. Comment? Christophe, elle a mis
il gère trop mal ses courses. Il a pris un été quoi. Putain, il me sort l'enculé. J'en peux plus de ces mecs de la VD là. J'en peux plus de ces mecs. Allez, vas-y toi, putain. La ville, il a fait que des conneries. Il a sorti Fraggerwood, il m'a sorti à moi. Et le mec, il est devant. Tout va bien. Ouais mais franchement DTP 11. Putain mais c'est quoi sérieux, il m'a repris 2 secondes et demie là. Putain j'hallucine, j'avance pas. Par secteur, c'est quoi ce délire?
mon image de stream elle est figée. Ça me la casse. Tu me laisses pas passer, franchement. Putain!
La ville, ils sont encore mis au tas. Thank you.
la meilleure course des deux. Et Romu, t'es revenu sur moi, enfin sur la fin de course. Aïe. Parce que j'ai connu que j'ai du carburant, j'ai pu aussi. Mais j'ai à toi pour avoir tenu les deux pilotes derrière. On finit à égalité de points, Romu. Merci Tom. J'étais pas. Ouais. J'avais pas un rythme de fou, mais. Merci Toto. Ouais, c'est bien moi qui gagne le championnat. P7 Ouais, P7. Et toi, du coup, bien. Chris, t'as... Non, t'as remonté un peu, non? Non? P13, non? Ouais, mais ça, franchement. La ville à la fin, là, dans le sable, je suis allé mettre un petit coup de pare-choc quand même. Gentiment, tu vois. Ça, franchement, c'est. C'est chiant quand y a pas de commission parce que y a rien qui est. Y a rien qui remonte, quoi, comme. Ouais. Comme truc. Je me suis fait tasser au début. Il m'a sorti l'autre blaireau là. Mais je sais pas combien je finis, 13 je crois. Ouais. Green light, go go go. Vraiment. Fait chier quoi, je finissais je pense juste derrière François, je pense 7 tu fais François. Ah merde, j'ai oublié. Ouais, je fais 7. Le... La diff. Bon, ouais, je crois que 8-9 je les faisais. Chier hein, ce putain de team là. Quoi.
On est égalité, Romu. C'est cool. C'est bon, ça fait un beau championnat quand même. Hein. C'est un jour là, les. Ah oui, c'est un jour. Bah, moi, je suis P1 de Romu de P2, mais je suis P1 juste par rapport au championnat, par rapport à mes deux victoires. Bon, au final, heureusement que tu fais la pole, quoi. Sinon, c'est mort en fait. Oui, bah oui, c'est la pole qui me sauve. J'ai failli faire le meilleur tour aussi. Mais... Non, j'en rêve. Je vais aller voir si je tords. Normalement, oui, c'est la pole qui me sauve, mais. J'ai passé une très très mauvaise course à ça aussi. François, vous faites quoi du coup au classement, les gars? François Péon, putain, t'aurais pu faire un effort, François. Oui, mais. Oui, mais Spa, non. J'ai pas marqué de points. Oui, bah. J'ai pas marqué de points, Spa, j'étais deg. J'ai été sorti par l'autre là, comment ça s'appelle? Fanger Woods, je sais pas quoi là. Fanger Woods. Ça, j'étais dans les points aussi, à Spa, mais. Les mères, on fait un nouveau panneau des pénins. Je sais pas. Ouais. Ils ont un peu durci leur pénalité. Bah ouais, des fois déjà, faudrait qu'ils évitent de mettre des pénins si le mec il fait rien. Grave. Et quand il y a quelque chose, de mettre des pénins quand il y a quelque chose. La semaine dernière, Jérémy se fait déglinguer, c'est lui qui prend une péna. Les gars, j'y vais. Tu vas où? Ouais. Bah là où tu peux pas aller pour moi. Ah, je vais aller prendre une douche et je vais aller manger. Ah bah je peux faire tout ça. Je croyais que t'allais dire je vais rejoindre ma femme dans le lit, tu vois. Bah accessoirement aussi. T'as pris le résultat, Romain? Ouais. Ouais, moi aussi je vais aller manger. Tu vas où, François, aussi là? Je vais manger. Putain les gars, sérieux. J'ai pas mangé. Bah alors? Ouais mais François, Romu ouais. Pour une course à 20h, il mange un plat de pâtes à 18h, tu vois. Après il fait une petite sieste. Et après il est OP, tu vois. C'est ça. Ah ouais. Bah là je commence seulement à être chaud, tu vois.
Ouais, moi j'avais trop faim là pendant la course. Là. Je galérais. François il a fait une fringale. J'avais trop faim là, je roulais vite, j'ai faim là. Vu que se termine. Bon allez, bonne soirée les gars. Ouais, salut les soirée. Gars. Ciao. Ouais. Attends, je reviens. Je vais couper mon stream. Ouais, et ben les gars, je vais couper le stream là. Oh, je sais pas si je relance un stream après sur un autre jeu ou pas. Bah merci d'avoir suivi la course. Demain. Merci Red, c'était cool que tu passes encore. Demain, Open Exile sur Imola aussi. Je me suis inscrit. Il y avait la VD, mais ouais, j'ai envie de retourner à Exile. Puis Imola, quoi. Donc voilà. Donc Open demain à Imola. 20h, 21h, les qualifs, un peu comme d'hab. Voilà.